Je fais de la restauration et de la création. Mon temps est partagé un petit peu moitié-moitié entre les deux, un peu plus de création maintenant. J'ai fait l'école des arts appliqués des métiers d'art à Paris, après le bac, truc un peu classique. Puis ensuite, j'ai travaillé dans différents ateliers. Et ben après, je me suis mis essentiellement, uniquement dans le vitrail. Dans le vitrail, et ça m'a permis de développer toute la partie plus créative et de faire des créations plus personnelles, ce que je faisais peu avant. Le premier vitrail peint qu'on ait retrouvé, vitrail peint, s'entend, ça date du 9e siècle. On l'a plus parce qu'il s'avait retrouvé ce morceau de vitrail qui représentait une croix avec l'alpha et l'oméga. Et c'était à Séry-sur-Mézières, donc dans le nord. Et ils l'ont mis au musée de Saint-Quentin. Et le musée de Saint-Quentin, en 1918, il a brûlé. Donc plein de vitrail. Donc après, les fragments de vitraux qu'on a retrouvés peints, ça date aussi du 9e siècle, c'est à Lorch, c'était en Allemagne, c'est dans une abbaye. Mais on a eu que des fragments, mais c'était déjà du vitrail peint avec plusieurs couches de peinture. Comme la tête qu'on a trouvée intacte, la première, qui est la tête de Wissembourg, qui est ici représentée. Les premiers vitraux sont toujours, oui, religieux. Oui. Parce que après, on a fait des vitraux civils, mais alors là, il faut attendre 14e, 15e, dans les habitations. Et c'était essentiellement des losanges ou justement des cives, avec parfois un médaillon au centre représentant ou les armoiries, ce qui était très fréquent, ou une scène civile. Ah, le rôle des vitraux, c'était de jouer avec le... C'est un ensemble avec l'architecture. Ça fait un pouvoir, le pouvoir de la lumière. Le soleil en soi, c'est une source de lumière, mais tamisé par les vitraux, ça devient Dieu. Parce que là, vraiment, il reprend sa force et par ses couleurs et il devient Dieu. Il passe par ce lieu de l'église, qui est important, et c'est pas une clôture, les vitraux. Le reste est une clôture, mais pas les vitraux. Ils sont juste ce lieu de passage vers la vraie lumière qui est Dieu. Il y avait très peu de gens qui savaient lire, quand même, donc il fallait leur enseigner. Parfois, leur fait peur, d'ailleurs, dans certaines scènes, entre autres, toutes les images du jugement dernier. Mais en fait, il y avait le rôle aussi des sculptures et des vitraux. Ça jouait bien ensemble. Le jugement dernier, atroce, affreux, machin, où on voit les diables prendre en brochet les gens, ça, c'est les tympans des églises. Pas dans les vitraux, parce qu'on est déjà rentré dans l'église. Donc, au départ, il faut faire peur pour que les gens disent « Oh là là, il faut que je me protège. Je me protège en rentrant dans l'église. » Et à l'intérieur de ces scènes, eh bien, il y a tout un message qui est donné. Alors là, il y a à la fois le rôle des couleurs et à la fois le rôle des gestes. C'est plus qu'un bouquin, c'est chaque verrière. Alors ici, c'est un travail de restauration, dans la restauration du 19e. L'essentiel a été remettre en plomb les vitraux. Il y a eu très peu de casse dans ces vitraux. Dans notre région, on a essentiellement du 19e. Il reste hélas très peu de vitraux anciens, dans quelques coins. Voilà. Une bonne restauration, c'est à la fois qu'on ne voit pas, on a restauré le vitrail, hein, qu'on ait gardé le plus possible les pièces authentiques,
Et de le marquer, savoir de le mettre en écriture pour qu'on sache à quelle période et comment et qui est intervenu sur un vitrail. C'est ça aussi, il faut regarder à chaque fois comment il a fait. Donc, il ne faut pas se lancer comme ça en restauration, paf, paf. Non, regarde quelle couleur, est-ce qu'il a mis plusieurs couleurs? Oui, il en a mis plusieurs. Quelle est la couleur qu'il a mis avant? Les couches, comment il a procédé? Il faut se remettre vraiment dans la tête de l'autre. C'est ça qui est intéressant dans la restauration. Au départ, c'est qu'on m'appelle, soit on m'envoie une lettre, soit on m'appelle au téléphone pour me demander de venir voir, puisqu'il y a un problème sur des vitraux, en général dans une église. Hein. Je vais sur place, je fais le constat, donc je prends les côtes, mesure approximativement aussi les hauteurs, pour savoir s'il faut un échafaudage, quel échafaudage, etc. Et puis voir tous les verres, s'ils sont cassés, donc avec des jumelles, je regarde dans l'église et je regarde tout ce qu'il y a comme problème. On ramène tous ces panneaux en atelier. Alors ensuite, on démantibule dans ce pulse et on enlève les plombs, on les met de côté et on a tous nos petits morceaux de verre les uns à côté des autres. Une fois que donc on a tous nos morceaux de verre, on regarde tous les verres cassés. Donc on reprend la forme en gabarit, donc un papier, un carton, voilà, par exemple, hein, de la forme exacte du verre, sans son dessin ni rien, c'est sa forme qui nous importe. Et après, on essaye de reconstituer les morceaux cassés. Je l'applique pour l'instant, donc le problème n'est pas trop de moduler, ça va se faire après. Je sais que je vais en mettre plus par là que par là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les peintures grisaillent, éclaircissent beaucoup à la cuisson. Donc, il faut toujours prévoir de faire plus foncé que ce qu'on veut au final. Voilà. Donc là, ça peut être mieux. Il faut que ça soit au moins un ton plus foncé. On va mettre la tête en question. Donc, je le mets plutôt dans ce sens. Voilà. Ça. Je ferme. Une fois que c'est bien cuit, que ça tient bien, on remet tout ça sur une planche. Et puis maintenant, on va monter au plomb. Et après, on peut commencer à faire le montage. Premier verre et les trois qui vont être dessus. Rentrer, on faut le forcer. Eh bien, voilà, on arrive à la fin du montage. Il y a juste une dernière pièce à placer
et à mettre le plan d'entourage. Alors l'étape suivante, ça va être la soudure. Souder tout le panneau. Quand le fer est chaud, ça va assez vite. Quand le fer est pas chaud, de toute façon, ça marche pas trop bien. Donc là, il est parti. Et on le retourne. On le retourne. Il faut qu'on bascule comme ça. C'est ça qui nettoie aussi les vitraux. Hein. Parce qu'on va frotter avec la brosse à chien dent. Là, c'est revenu à l'état normal. On est de nouveau devant la verrière de 1840-1830. Elle a retrouvé sa jeunesse, elle a retrouvé ses couleurs. Voilà, alors ça c'est une restauration finie de vitraux du 19e de Montvernet, avec donc tout le travail a été de remettre en état les plombs, de changer les verres cassés, de remettre une peinture là où la peinture avait une tendance à s'écailler, redonner un petit coup de neuf et de consolider les peintures anciennes. Il y a des parties qui ont été refaites entièrement et d'autres parties qui ont été juste retapées. Je suis en train de travailler sur un sujet pour des particuliers, couple de personnes, qui m'ont demandé donc de faire un vitrail. Et après discussion, ces gens faisant une collection de coques, particulièrement la dame fait une collection de coques, donc j'ai trouvé intéressant de faire sur le thème du coq. Voilà. Il faut que je fasse un point. Comme ça.
Celui-ci, tu as un morceau et une petite feuille dans le 102. Ça, je peux prendre. Ouais. Ça. Alors, est-ce que tu veux une feuille de chaque? Oui. Est-ce que tu as de l'orange éclair? Tu sais, de plaqué. En plaqué? Ouais. Le 216. Il en reste 4. C'est pas celle-ci, ça doit être le bleu vert qui reste plus beaucoup. Fais-moi voir. Fais-moi qu'il soit assez régulier, un peu, pas trop rayé. Il est un peu clair en net, là, t'as pas plus. Je vais pas être trop chiante, mais juste un petit peu. Là, ça va mieux, ça. Allez. Elle est un peu cassée sur le bord, mais je dirais rien. Oh, faut plus la bouger. D'accord. Ce qui est important pour les verriers, c'est que la lumière du nord est une lumière fixe. Donc toutes les verres sont situés côté nord. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert une fenêtre qui n'existait pas, pour pouvoir bien avoir la bonne lumière. C'est-à-dire quand je vais choisir mon verre, je vois sans déformation, le soleil déforme les couleurs. Là, il n'y a pas de problème, on a la vraie couleur. Là, j'ai terminé, donc je vais pouvoir enlever tout ça et me servir des modèles pour découper mes verres et peindre. Les bleus vont être très bien. Garde la position sur le verre. Je suis en train de préparer les émaux, donc je malaxe bien chaque émail avec le diluant, là c'est de l'eau distillée. Je rajoute des frites et du verre en petites paillettes fortement colorées en oxyde. Et ça va me permettre d'accentuer certaines zones colorées et en même temps faire un petit effet de matière. Après la cuisson, alors là la cuisson il faut monter à peu près 800 degrés et avoir certains paliers de recuisson. Et il faut compter à peu près 2 jours, bien 2 jours, avant de ressortir la pièce. Il vaut mieux la laisser refroidir le plus longtemps possible. Et après, ça donnera quelque chose qui sera similaire à ça, évidemment pas le même dessin, mais le travail est le même, découpe de verre.